Allez, salut tout le monde, c'est Flojo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une démo dénommée Nier Automata qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, donc c'est pour ça qu'ils sortent une démo, et ce jeu va sortir le 7 mars 2017, ça a été fait par Square Enix et développé par Platinum Games. Alors je ne sais pas ce que va donner cette démo, je me suis pas spoilé, apparemment on contrôle apparemment une Android et tout se base sur un truc d'Android, donc je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas la démo je pense qu'elle va être en 60 fps à ce que j'en ai lu, donc ça peut être quelque chose de worse. C'est Square Enix qui l'ont fait, alors peut-être que ça va être bien. Est-ce que ça va être aussi bien que FF15 en ce qui concerne la texture, tout ça? Quand je dis aussi bien, c'est-à-dire que le jeu était pourri quoi de FF, et j'espère que ça va être un peu mieux, je sais pas. On va lancer une partie, on va voir ce que ça donne. C'est une démo qui est 1, 2, 0, 1, 6, 1, 1, 2, 8. C'est assez chelou. Mais bon, on va se lancer dans cette démo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. En tout cas, on va voir. Lancement, jeu de difficulté, on va se mettre en mode normal. Voilà, tout simplement. Paramètres, il y a quoi comme paramètres? Langage, affichage, luminosité, ok, très bien. Jeu, mini-carte, caméra. Son, auto, stéréo, très bien. Langue. Anglais, ah, on peut mettre en japonais, on va mettre en japonais. Le texte, on peut mettre en français, mettre en japonais, comme ça, ça peut être. C'est un peu mieux déjà. Et autre, c'est quoi? Paramètres par défaut, très bien. Bon, on va laisser ça comme ça, et on va regarder un peu les commandes au cas où. Attaque puissante, attaque faible, action, sauter. Donc en gros, le jeu, apparemment, c'est de l'action-aventure RPG. Donc c'est un peu comme FF, quoi, c'est un RPG. On va voir ce que ça donne, mais si c'est aussi bien que FF. Je sais pas trop, mais on va voir. On va se lancer une partie. Go voir la démo. Descente numéro 243, date 10 mars. Oula. 11945. Objectif, détruire l'arme glace Goliath. Unité 1D, chef 2B, 7E, 4B, 11B. Et d'ailleurs, le truc est gratos. Hein. Résumé de la mission. Selon nos renseignements, les formes de vie mécanique auraient créé une arme colossale dans l'usine désinfectée. L'équipe d'analyse est arrivée à la conclusion qu'elle construise très probablement une arme de classe Goliath. Le but de cette mission consiste à inspecter le site ennemi, usine désinfectée, de trouver l'arme de classe Goliath et de la détruire. Les 6 unités participantes ont pour ordre de faire jonction avec l'unité de soutien 9S sur site. Alors ça me fait grave penser à un anime qui se nomme. Ah, je sais plus comment il se nomme. Mais ça me fait penser aussi à Ghost in the Shell. Mais je pense que c'est pas là forcément la même chose. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Et l'autre anime, je sais plus. Faut que je me remémore. Hein. Je vous le dirai après si je m'en souviens. Ok, donc on contrôle une femme. Putain, oh, le 60 FPS est présent. Alors, pas constamment, mais il est présent. C'est ça qui est... Oh, du beat'em all. Enfin, une sorte de beat'em all. On voit qu'on a le niveau en haut. Ah, c'est pas mal. On va tirer. Ah, d'accord. C'est une sorte de TPS aussi. Ah, stylé. Ah, par contre, oh là, le TPS est chaud quand même. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal pour une démo. Ah, la démo est vraiment bien foutue. Ah, par contre, ouais, ça va pas très vite. Hein. Alors, dès que je regarde, on peut pas. Ah, si, on peut faire, oh, on peut faire d'autres attaques. Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors je sais pas ce que va en découler de l'histoire, mais pour l'instant, déjà le gameplay est pas mal. Moi ça me... Franchement, c'est joli, c'est fluide, et c'est grave classe. Si c'est juste ça la démo, merci quoi. Ok, il y en a d'autres. Ah ok, c'est un colossal. R2 esquivé. Ok, très bien. Ah d'accord, on peut... Ah stylé. Ah ça, ok. Là je le lock. Oh, on n'a pas le droit à cette action encore pour l'instant. Oh, c'est stylé. Oh putain. On a une grosse arme, une grosse épée. Ah, c'est stylé. On contrôle une meuf et tout. Ah, c'est sympa. Tekino
C'est bien un truc Android. Oh, je sens qu'on va encore avoir des combats. On est qu'au level 3, donc je pense que c'est le début du jeu. Ok, donc c'est notre cible. Apparemment. Oh, c'est le boss. C'est un boss. Oh là là là. Comment on fait? Alors attends. Peut-être qu'il faut tirer comme ça, à mon avis. Je sais pas. Oh! Oh putain. Ah, ça marche aussi comme ça. Ah, ça va, ça va. Il s'enlève un peu vite. Donc c'est plutôt cool. Tiens. Oh putain, aïe! Ah, la saloperie. Si on fait start. Ah, il y a... Ah! Carte. Très bien, j'avais pas fait ça, il faut que je... Enfin, j'aurais dû le faire. Menu, machin... Quête. Ah, c'est classe, là on a les quêtes. Toutes les quêtes. Je trouve déjà c'est beaucoup plus stylé que FF, hein, franchement. Tous les objets. Ah, on a... Ah, bah oui. Ah, bah oui. Soit moins une... Ok. Ok, on a tous nos PV. On a la défense et tout, pas mal, ok. Alors, les armes. Toutes les armes. Ah, on est... Ok. On a un contrat vertueux. On, bah, on va prendre ça. Équiper. On va équiper celle-là. Ok. Ah, mais c'est qu'on l'a aux deux mains. Attends. Bon. C'est déjà ouf. Puce et fonctionnalités. Donc pour l'instant, ça, je pense pas qu'on puisse l'utiliser. Données. Données d'unité. Machine classique. Ok, donc ça, c'est... Alors, sauter, dépasser, blablabla. Histoire des armes. Histoire des armes, what the fuck. Première rencontre avec mon amour. Je vais reparler avec l'arme, MDR. Les paramètres, bon, ça, paramètres d'affichage, luminosité, blablabla. Alors, en tout cas, très fluide. Très, très fluide. Rencontre à l'usine, donc, ouais, bien évidemment, on doit défoncer un truc. Et, franchement, pour une première démo, c'est pas mal. Alors, le son est fort dans mes oreilles. Je pense que je vais le baisser, bien évidemment, au montage. Waouh. Allez. Allez. Téléchargement le programme pod team. Qu'est-ce qu'il fait? Utiliser un programme. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour le. Oh! C'est quoi ces boules qui nous envoient là? Aïe! Ça fait mal. Attends, on peut pas courir? Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on va le démonter. C'est bizarre, hein. C'est un truc assez chelou, hein, les pods et tout ça. Allez. D'ailleurs, la démo est gratos. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. C'est pour ça que j'y joue. Hein. Aïe. Oh putain. Yes. Allez. Allez. Putain, on y est presque. Faut le défoncer. Putain, mais c'est quoi ces boules? Aïe. Oh. Vite. Sautons. Ah. Ah, on peut courir comme ça. Ok. Hop là. Si l'histoire est ouf, je me le prendrai, hein, je vous ferai un let's play dessus. Mais pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, on défonce des trucs, donc bon. C'est pas trop mal. Mais j'ai peur que ça soit un beat'em all. C'est ça qui me fait peur. Parce que j'aime pas trop les beat'em all. Attends, on va juste... On peut il faut tout le temps faire ça dans le menu ou quoi? Objet de soin. Enfin, j'espère pas, parce que... Oh! Oh là, oh c'est bon, on l'a démonté. Chanto shinda no kakunin shinai to abenai desu yo. Oh, qui c'est lui?
僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置。 2B。 じゃあ目標を探す。 Et franchement, elle est badass, hein. J'adore ce, sa tête et tout. C'est vraiment stylé. Avec les katanas, putain, waouh. Là, pour une fois, Square Enix a fait quelque chose de bien. Pour une fois. Donc lui va nous soutenir. Très bien. C'est quoi ça? Rond. Ok. Oh, on va rentrer dans l'action. Là. Bon, vous voyez, ça va. C'est un peu plus joli que FF. Ok, ça c'est juste une... Ok. Ok, ah ouais. Ah très bien, ah pas mal le système de gameplay là. Ah ouais. Hop, on le défonce. On le défonce, ah c'est trop bien. Ah je... ah c'est trop cool. Ah franchement c'est trop bien. Alors maintenant il faut aller où? Bon par contre les textures sont toujours... Oh là regarde-moi ces textures là-bas. Non les textures franchement... Et... Non mais... Ouais bon, il y a des textures, c'est un peu bof. Hein. Faudrait revoir hein, Square Enix quand même. Mais bon. C'est où que je dois aller maintenant? Ah par là. Il y a des... Ah, il me défonce. Putain, dégage. Défonce moi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Moi je te défonce. Ah putain, je voulais faire un truc de fou et ça a pas marché. Oh. Allez, dégage. Hop là. Ah putain. Voilà. Ça explose de partout, c'est génial. 40G. Qu'est-ce que c'est que ça? Huile machine, très bien. On va grimper. Ok. Ah, on a une map. On va aller plus vite. Sonic, mon gars. T'as les badass, n'empêche. Qu'est-ce qu'il y a là? Hop là. Ah, saleté. Ok. Attends. On va faire ça, comme ça. On va mourir. Voilà. Faut monter apparemment. Hop. Ah, en voilà un. Lui, on va le défoncer. Ah, c'est pas mal. Okay. Ok, je prends plus la main. Ça va. Une porte. Ok. On va rentrer là-dedans, je pense. Il y a quoi là? Porte verrouillée. Aïe. Oh, ouch. Vite, attends. Objet. Attendez que je regarde un peu quand même les commandes. Type A, attaque puissante, attaque faible, sauter, action. Ah mais je suis con. On a même une lampe. On peut changer les armes comme ça. Ah oui c'est l'action, ok. Vite, ah voilà j'avais pas trouvé. C'est bon. Pouf.
Allez, oh putain, oh putain, oh putain. Tiens. Ils sont où? Allez. Tiens, il est encore plein. Défonce-les. C'est tout ce level 1. Ah, c'est jouissif. Putain. Ah, putain. Putain. Bon, la bande-son est pas mal aussi, mais... Except. Il y en a encore quoi? Il y en a encore. Lui là-bas. Aïe, défonce-les. Ok, très bien. Le truc qui vole, c'est assez chelou. Bon, allez. Prends-toi un soin. Voilà. On avance. On est là-bas ou quoi? Bah merci. Là, ils ont la même coupe de cheveux, tout ça. Je m'appelle ma dame. Attends, on défonce lui là. Aïe. Dégage. Attends. On peut passer par là. Ça c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus là? Allez. Dégage. Ah. Et on reçoit des G. Alors je pense que ça doit être la monnaie, à mon avis. La petite monnaie. C'est quoi ça? Mais prends-le. Bon, tant pis. Ça fait rien. Attends, défonce-les. Défonce. Qu'est-ce que... Verrouillé, ok, on peut pas passer par là. Très bien. On va passer par là. Donc on n'est pas humain. What the fuck? Ok. Attends, on a oublié quelque chose. On va essayer de terminer la démo. Mais pour l'instant, ça va, c'est plutôt propre comme jeu. Attends, ah, s'il faut bien se mettre devant. Ah ouais, d'accord, fallait se mettre devant. Je m'étais pas mis devant tout à l'heure. C'est pas grave. Ok, vu du dessus. Allez. Alors attends. Que c'est. Voilà. Tiens, il y en a encore d'autres. Vous avez fini ou quoi? Défoncé mon gars. On va tout démonter. Boum boum boum.
Attends, soin limité, hop. Ok. On grimpe vite. Allez, défonce-les, boum. On se bat contre des machines. Hein. Oh là. C'est quoi ce délire? Oh putain. Aïe. Aïe. Allez, dégagez. Allez. Oh putain. Wow. J'imagine qu'on peut se barrer, mais j'ai pas envie de me barrer. Ah, niveau plus. Très bien. Amateur de beat'em all, vous êtes servi. Et de RPG. C'est pour ça qu'on appelle un action RPG. Aïe, oh putain, mais il me fait mal lui. Allez, dégage. Allez, dégage toi. Ok, on continue. Nyaa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 a
Et je ne sais pas non plus qui c'est l'autre. Alors, c'est peut-être des infiltrés, je sais pas. Apparemment, ça va être des infiltrés qui doivent détruire des androïdes pour je sais pas quoi. Enfin bon. On n'en sait pas trop. Et on doit continuer. Ok. Très bien. Je vais juste prendre un petit soin. Ok, ça va être des... ouais, des... un peu à la Metal Gear, quoi. Genre des espions. Et ils sont contre les androïdes, apparemment. Ok. On continue. C'est... Tu parles des oiseaux. Ah, on va peut-être revoir... on va peut-être voir un décor plus... plus beau. Je ne sais pas. Je ne sais pas en combien de temps on va se finir la démo. Mais en tout cas, pour l'instant, je peux dire que du positif, parce que déjà, c'est classe, la prise en main est très bonne. Et franchement, c'est pas mal. Peut-être que je me l'achèterai si y a un bon scénario. Ça, c'est à voir. On se croirait un peu dans Bayonetta, mais pas ça, c'est mon point de vue. Typique des trucs japonais, il y en a le double maintenant. Double boss. Il va falloir défoncer. Alors là, j'en chier quand même. Oh putain. Ah putain. Ah non mais. Ah merde, j'en ai utilisé deux. Quel couillon. Attends, là. Voir dans les armes. De toute façon, on en a que deux, alors bon. Attendez que je me concentre. Putain, c'est chaud quand même. Ah tiens, on pourrait rester comme ça, tiens. Toute la journée, on fait ça. Oh, on s'est fait démonter. Ah, mais pas qu'on doit tout recommencer. Ok, ben nous revoilà sur le boss. Putain, alors là, je vais en chier ma mère. Aïe. Pas que je crève. Putain, il y en a un deuxième. Aïe. Bon, on va faire un l'un et l'autre après. Aïe. Ça fait tellement mal. Vite. Attaquons. Oh putain, je peux pas. T'es fou. Putain. Aïe, putain. On va y arriver, on va y arriver. Faut que je batte ce putain de boss de merde. Et après, ça devrait être plutôt cool. Pour l'instant. Il faut avoir un pattern.
Normalement, si on utilise bien le bon pattern, ça devrait aller. Waouh, ah putain, pas bon. On y arrive presque. Je défonce comme ça, mais je pense que c'est la meilleure solution. Allez, défonce-le comme ça, mon gars. Qu'est-ce qui me chie? Oh my god! Comment voulez-vous qu'on fasse ça là? Il est level 6. On peut détruire le Goliath. Putain, what the fuck. C'est impossible. Oh putain. Oh là là. Putain, what the fuck. Wow. Wow. T'es nous défonce. Allez, on casse ça. Bon, alors il y en a d'autres, quoi. Wow. Ah putain de merde. Waouh. Attends, on va y arriver. Il faut juste démonter un peu. Voilà. Il est où? Putain, ennemi en approche. Putain, what the fuck. Waouh. Oh putain. Faut pas qu'on perde parce que sinon après il va falloir que je recommence. Et c'est très chiant. Oula. Vite, vite, putain, il va casser. Mais c'est impossible de le tuer. Impossible de le tuer, quoi. Oh.
passe ? Naïs ! Putain. Il est où ? Ok. Caméra. La caméra. Oh. Ouais. Ah oui, encore comme ça. Ok. Putain, il se réveille, qu'est-ce qu'il fait le con? Oh my goodness. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des robots et tout. What the fuck? Putain, je suis pas serein, mon gars. Je suis pas du tout serein. Voilà, dégage. Bon, maintenant il faut. Ah, il faut grimper. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une échelle. Non mais c'est dommage qu'on peut pas bouger partout la caméra, c'est assez chiant. Bon c'est pas grave, de toute façon, on go chercher notre pote, To be. Putain. Ah, le voilà. Il est mort ou quoi? Ne le touchez pas! C'est mon pote! Dis, je te défonce mon gars! Tout ce blablabla. Ok, on est en shoot them up maintenant. Pas mal. Ah, franchement, c'est pas mal. Viens me défoncer. Oh là. Oh là là. Bon, ça va parce qu'on. Ah, d'accord. Non, mais franchement, c'est pas mal. Ok, on peut toujours esquiver ces trucs comme ça. Ok. Je gère. L'histoire a l'air attirante, même si c'est vrai que c'est assez chelou quand même les mechas. Après, il faut aimer les mechas. Moi, je suis pas un grand fan de mechas, mais en vrai, ce jeu il est grave classe parce que. Oh putain, il commence à. Parle en plus. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. On peut esquiver comme ça, hop. Oh putain. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, on est en mode avion, MDR.
Ah, on peut toujours esquiver comme ça, c'est trop stylé. Ah, franchement, non, franchement, il est classe. Franchement, il est trop bien le jeu. Pour jouer à cette démo, putain. Oula. 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 Qu'est-ce qui se passe? Alors, vite. Passe. On va le démonter. On l'a presque fini. Putain, juste démonter un Goyat, mon gars. Là, je peux dire que ça, c'est de l'action. Ça, c'est vraiment de l'action pure et dure. Pas comme FF15. Hein. J'ai envie de vous dire que là, clairement, Square Enix, ils ont bien joué. Parce que là, même si le graphisme, apparemment, bon, il y a quelques trucs où c'est un peu du 2013. Là, quand même, on peut avouer que là, ils ont fait du bon boulot. Pour cette démo 60 FPS et tout, franchement, du bon boulot. Si le jeu n'est pas en 60 FPS, je gueule. Et je pense pouvoir me l'acheter, hein, parce que là, ce jeu a l'air classe. Et il sortirait le 7 mars 2017, donc... à votre porte-monnaie au 7 mars, parce que là, le jeu a l'air classe. Mais très répétitif, je crains. Mais bon, faut espérer qu'il soit pas... ouh, qu'il soit pas répétitif. Franchement, pour l'instant, j'accroche. Le fait d'aller hyper rapidement et tout, de tuer tout le monde, ça, c'est juste trop bien. Après, si le truc est open world, je dis oui, parce que visiter plein de trucs et tout, et alors si l'histoire est ouf, je le prends direct, les gars. Mais ça, il faut voir dans les annonces. Alors, on prend juste un petit soin déjà au cas où, même si on en a plus beaucoup. Je devais quand même finir cette démo, hein, parce que au game over, là, fait tout que je recommence, mais bon. Au moins, comme ça... je veux terminer cette démo pour que vous faites un propre avis par rapport à ce jeu. Qui a l'air, ma foi, plutôt classe. Avec du shoot them up, du beat them all et tout. Enfin, franchement, des quêtes. Ça, c'est un vrai RPG. Ça, c'est du vrai RPG, mon gars. Comme on les aime. En action RPG, je vais bien évidemment parler de ça. Dès que c'est pas du FF, c'est largement mieux, hein, vous voyez. ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。
Ok, merci d'avoir joué Nier's Automata, disponible 10 mars, pardon, 10 mars 2017. Et bien voilà, c'est là que s'achève la démo de Automata, qui, et bien pour le coup, et bien c'est vraiment excellent. Après, je suis un peu redondant face à l'histoire, mais en vrai, putain, le jeu, il claque, franchement, ça s'annonce que du lourd. Les licences, bien évidemment, Power by Once and Opera. Je connais que Cryware, mais Cryware, putain, c'est vraiment des bons jeux. Donc voilà, fin de cette vidéo qui aura duré, je pense, 1 heure à tout casser. Je sais pas combien, mais en tout cas, Nier's Automata, eh bien putain, ça a l'air pas mal. Le gameplay a l'air classe, enfin est classe, franchement, il est super classe. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de Nier's Automata Demo, qui est quand même plutôt pas mal, 4Go quand même, pour du 60 FPS, et putain, c'est quand même pas mal. Voilà, donc on en sait un peu plus sur le gameplay, mais sur l'histoire, voilà. Moi je sais pas trop, je suis un peu sceptique par rapport à l'histoire, je sais pas trop si ça va me plaire, je ne sais pas trop si je vais l'acheter, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que le jeu, déjà, eh bien, il en jette pas mal. Bref, je vais vous laisser ici, je vous donne rendez-vous peut-être pour le let's play sur Nier's Automata, peut-être pas, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, on se retrouvera pour le let's play, mais sinon, pas de let's play pour ça, mais en tout cas, on se retrouvera forcément pour un autre let's play, puisque ma chaîne est essentiellement du let's play. Donc, je vous dis à très bientôt, c'était pour le jeu, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, commenter la vidéo, évidemment, n'hésitez pas non plus à aller vous abonner, si ça vous plaît, si ça vous tente, bien évidemment, je ne vous oblige à rien, évidemment. Nier's Automata, Square Enix, bon jeu, voilà, tout ce que j'avais à dire, je vous dis à très bientôt, allez, ciao ciao.